Bon, essayons de finir les tâches quotidiennes. Non mais je veux pas construire. Ah oui mais la map elle est là, mais je voulais voir si j'ai rien ici. Je construise. Ouah, j'ai tout ça. Comment ça? Culture de femme, un arrosoir, beaucoup de nettoyage. Il y a une boîte en carton, une commode, un porte-parapluie, un panneau, un bidon d'huile, un tabouret. Il y a tellement de machins. Au secours. Et pourquoi un grand conteneur? Une antenne? Un parasol? Un arrêt de but? Bon, on va faire un truc classique. Voilà. Un petit tabouret qui ira avec cette petite table. Au moins. Je vais la mettre là. Ah, parfait. Et on voit la satisfaction si on les met à ouais, en mode logique, je dirais. Et où l'autre? Où est-ce que tu es? Ah, tu es là. Ça s'est vu que Moku était un vrai prodige du piano. J'espère qu'un jour vous pourrez l'entendre jouer. Il est très doué. Voilà, j'ai tout réussi. D'où la boîte à idées? Parce qu'il m'a dit qu'il y avait un truc. Alors. Tu peux acheter des objets. Ouais. Tu peux acheter des meubles, des haies. Un diplôme. Fenêtre japonaise. Déjà construite. Okay. Marron. Seul. Oh. Et je peux vendre toute cette merdouille. À voir. Parce que ça se trouve, en fait, avec ça, on peut construire des choses. Qui sait? Ah oui, cette boîte à idées. Ah, ça, c'est la réserve. J'ai tout ça? C'est possible. Ah, il y a usage unique, machin. Il est vrai. Oui, la boîte à idées. Parce que là, je peux me TP. D'être dedans. C'est ce qu'il m'avait dit. Offre quotidienne. Oh, il y a des enchères à prix réduit. D'accord. Oh. Ah, il y en a plusieurs. Il y a ça. Une fontaine. Dans la playlist. Bah. Aveugle. C'est plus là-bas. Quoi ta idée? Nani? Oui, est-ce que... Oh la roulade! Il y a des emotes? Oh non, c'est juste... Oh. Moi j'ai pas trouvé un. Hein. Au moins on a fait les quêtes quotidiennes. Il faut passer la journée ici. Oui, reprenons des forces. Jour 2. C'est vraiment indiqué.
maintenant que tout le monde est là, commençons la réunion du matin. On a pour règle d'organiser une réunion tous les matins pour énumérer nos projets pour la journée, discuter de comment satisfaire nos visiteurs éventuels. Cela dit, on n'a aucun hébergement à leur proposer pour l'instant, alors impossible d'accueillir des clients. Et ce serait super si on pouvait le faire bientôt, comme ça l'économie prospérerait. Bon, bon, commençons. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un nouveau résident de l'île. Nouveau résident? Eh oui, et voilà en chevronneuse, Kenzo. Salut, ça fait un bail. Kenzo, j'ai entendu dire que tu avais quitté l'île pour t'installer à l'heure. Je suis si heureux que tu sois revenu. C'est qui? C'est l'un des meilleurs artisans du monde, voyons. Kenzo a même de l'expérience comme charpentier ouvrier du bâtiment. Il va se charger de nettoyer le nettoyage du site, des réparations et toutes les infrastructures. Impressionnant. Alors, c'est de lui que parlait Mataoshi hier. Oh, que ce soit clair. Un compte s'attile, mais j'ai besoin de boulot pour gagner ma vie. Ça a été une décision difficile, mais Mataoshi m'a passé un coup de fil hier en disant qu'il voulait reconstruire l'île. Alors, je suis revenu au plus vite. Oh, aussi si noble de ta peur. Alors, c'est vous, Kasuga. Mataoshi m'a parlé de vous. Vous allez nous aider à remettre l'île en état, c'est bien ça. Merci pour votre aide. Je m'appelle Kenzo. Les travaux, c'est mon rayon. Mais je vais d'abord devoir vous à tout préparer, alors on discutera plutôt demain. Ouais, d'accord, ça me va. Content de compter parmi vous, parmi nous. Oh, maintenant que Kenzo est là, on va pouvoir nettoyer toutes les zones contaminées. Ah, parfait. Comment je peux faire pour lui demander son aide? Vous pouvez nettoyer un endroit à tout moment, tant que vous avez de l'argent. Mais plus les lieux sont pollués, plus ce sera cher. Oh. Et vu l'état de l'île, ça va coûter une fortune. Je suis pas là pour vous arnaquer. Mais plus c'est pollué, plus il nous faut d'outils et de véhicules pour dépolluer. C'est comme ça, c'est tout. Et si vous détruisez les déchets et que vous dégagez un peu la zone chaque jour, ça fera moins de travail pour Kenzo et les travaux coûteront moins cher. Réfléchissez bien pour décider quel est le meilleur moyen pour dégager une zone selon votre budget. Ouais, en vrai, vaut mieux que je dégage tout le monde et voilà quoi. D'accord. Donc en gros, je dois économiser tout en détruisant les déchets, jusqu'à ce que je puisse demander à Kenzo de dégager la zone. Ouais, exactement. Si vous voulez faire une demande pour nettoyer un endroit, vous pouvez le faire à partir du panneau correspondant dans chaque zone. Je vous conseille de commencer par l'entrée, parce que c'est près d'ici, pas trop cher. Oh, autre chose. Si vous voulez améliorer votre batte et votre filet à insectes, venez me voir. Je pourrais le faire en échange d'un certain prix. Ah, très bien. Après tout, j'utilise ma batte à peu près à toute la journée, donc une amélioration ne me fera pas de mal. Je passerai dès que j'aurai assez d'argent. Kenzo, le menuisier. Bon, et maintenant, passons en revue à ce qu'on a à faire aujourd'hui. Quelques autres détails. Bonjour, tout le monde. Tenons-nous à fond pour aujourd'hui. Ouais. Information sur... C'est quoi bricoler, détruire, passer un meuble, les insectes et parler à Gachapin. On est non classé. La carte. Il y a tellement de bail. Moi. Et après, il y aura les clients. Ok. Il y aura une ferme. Commençons la journée. Et voilà. Essayons tous de tirer les meilleurs de cette journée. Ouais. Mais j'avais débarrassé de tout. Attends. En journée machin. T'es où? T'es là. Et toi? Oh, je l'ai plus. Hein. Voilà.
Amélioré. Bat. Combien? Ok. Non, casse-toi. Un conque. Non. Pardon. Pardon. Non, retour. Après, si c'est juste à améliorer et qu'il n'y a pas d'incidence dans l'autre, c'est vrai que c'est... C'est pas comme dans le 7 et dans tous les autres Yakuza. Hein. Et justement, c'est le moyen facile pour se faire de l'argent, quoi. Normalement. Ah, 24, ok. Et des talents de construction pour nettoyer. Quoi? Ouais. Compliqué. Dégage. Non, pas la terre, on s'en fiche. Oh, machine. La capsule du jouet. Ah, mais ça voudrait dire qu'il faut que je construise 150 000 choses. C'est ça. Ouais, ça augmente le rang. Il était à F de base. Ah mais si les ordures repop au pif. Ah, et ça réduit le coût. Ok, c'est comme ça, c'est grâce à ce rang que le coût réduit. Parce que oui, c'est pas avec le nombre de déchets qu'il y a dedans. Ok. Je ne lis pas les tutos, vous le savez. Ah oui, il va me falloir je sais pas combien de... Oh non. Yotto. Atata. Du matos. Ah oui, non, mais ça repop vraiment. Bon, faut bricoler dans ce cas. Faut qu'on bricole un de chaque truc. Ça va, on a plein de matos. Oh, des nouveaux. Je suis sûr que je trouverai une utilité après. Ah, oh, ça m'a fait peur. Hein. Et t'es là en mode... Oh non. Un inventaire limité. Non, ça va. Ils vont dans le stock. Hein. Capicataze.
Et surtout, ouais, à tous les coups, je vais pouvoir vendre des constructions faites. Donc, de l'argent. On est tellement obligé. Lampadaire abat-jour. Un panier. Je trouverai une place pour chaque objet. Et pas encore. Et solide et sordine. Popularité plus. Rustique. Ah, si ça je le mets à côté de bail rustique, ça se trouve ça va à combo. Ça améliore. Un état de marché. Je crois que j'en ai loupé. Ah bah oui. Une étagère avec des mongas directement. Faut que j'améliore chez moi. J'ai gagné le chapeau de Majima. Majima construction. Alors, est-ce que j'en ai... Quoi ? Les machines de capsules, évidemment, c'est important. Faut que les enfants dépensent leur argent de poche. Non mais je vais pas construire un sushi à emporter. Ça n'a aucun sens. Ça par contre c'est il faut. Oui. Bon, ok. Ah, mais j'ai à manger donc parfait. La cuisine aussi. On monte level combien en vrai? Oh my. Surtout qu'on a vu qu'il y avait des plans à acheter avec les points de d'autres mini-jeux. Mais là, donc ça. On arrive à la fin. Il y en a qui rapportent beaucoup plus que d'autres. Hein. Il ne faut que 10 mois. C'est
Et ça coûte même pas cher en vrai. Kapikataze. Il faut 6, 3, 3 quoi. Ah ça 20 quand même. Ouais. Oui, tout de même. Mais on veut un billard. Bon, oh, j'ai vu qu'on construit un ordi. Kapikataze. Ah ouais, mode calme. PC gamer. Construire un scooter. Ah ouais, donc en fait, après j'imagine qu'il y a des coins, ce sera sordide, d'autres populaires, tout machin. Je me retrouve avec des gens bizarres dans mon île. Trottinette blanche. What? Le gars sur son établi, il te construit un bâtiment, un complet, un bâtiment délabré, incroyable. J'ai pris tellement trop. Vas-y, j'en ai marre. Au score. Je continuerai plus tard. Hein. Alors, ouais, on déplace tout. J'ai pas un. On va rapide. Ah, parfait. Ah, j'ai pas un tout. Non. Par contre, on va limiter. Je sais pas si c'était bon, la bonne chose. Ça va. Une petite construction, ouais. Au secours. Donc je peux nettoyer. Voilà. On est bien. Oh, le nombre de dollars. Ben nettoie. À partir de demain, je reviens. Ouais. Ah, il y a acheté tout ça. Bah, il y a le. Non, c'est pas toi que. Eh, attends. Ça me coûtait. 24. On verra. On verra demain. Donc, c'est ça que je veux. Réserve. Ouais, je peux vendre. D'accord. ありがとうございました。
Bah c'est fait. Allons dormir. Tadaima. En vrai, attends. Tac tac tac. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Pas sympa. PC de gamers. Oui. Mais j'avais pas. Ouais, ça c'est cool. J'avais pas une grande table. Ah, elle était là. Ranger. Non, attends. Elle est petite quand même, ta table. Je mets où? Faut que je vois. Oui. Je peux plus dormir, c'est pas grave. Matériaux, nom, souvenir, mobilier. Une plante. Ou deux plantes. Je rends d'autres. Non, ça. Et je te mets ça ici. Cette plante là. Ah, c'est bien ce que je me disais. On va mettre ça là. Parfait. Canapé. Quoi déjà? On va essayer de faire un équilibre. Pas la mettre au-dessus. Voilà. Un truc comme ça. Attends, combien de carrés? Calculons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35. D'accord. Et toi, t'es à... Ok. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. L'heure d'être au milieu. Ouais, la place pour les jambes. Parfait. Est-ce que je peux mettre le PC gaming? Ah! Au secours! Ici. Bon. Comme ça. Parfait. Dans le coin. Mettre la petite table de chevet, hein, voilà. Ah, j'ai un cœur en plus. On fera l'autre côté plus tard. On verra.
Annie. Je peux pas. Comment ça? Fait pas nuit. Peut-être pour ça. Et où est cette boîte à idées de mort? Tu peux me dire que c'est ça, mais non, ça c'est le truc à glaçon. Là je peux pas le construire, c'est embêtant. C'est pas rapide. Et derrière. Après si ça se trouve on va pouvoir vendre des choses aussi. Envie de dépenser mon argent. Il m'avait dit ici. Ça c'est partie du grand arbre. Je ne crois pas. Passez-moi le temps, vite. Ah, boîte à idée. Attends, détruisez. Ok, ça me donne juste des bonus. D'accord. Placer. Bâtiment, machin. Oh. D'accord. J'y vois. Au bricolage. Docopédia. Les infos non classées. Il me faut 1000. Ouais, est-ce qu'on pourrait. Comme ça, au moins, c'est. Pourquoi pas. C'est rustique, ça. Oh, cool. Comme ça, c'est déjà fait. Il me faut du rustique. C'est l'élégance, c'est vrai. Après des lampadaires, j'aurais de bonnes alloi. Mais. On va tout mettre comme ça, on s'en. Voilà. Et du pop. Mais comment ça une table de billard c'est sordide? Je ne vous permets pas. Ça oui, peut-être. C'est vrai. Ça aussi. Peut-être la zone sort, rustique. Bâtiment, voilà. Avec enfin les bains. Agna. Je baisse. Oh non, je peux pas le mettre là. Oh!
toute façon, ça va se déplacer. Oui, on va déplacer ça après. Vous n'avez pas le droit de passer par là. Ah, c'est beau. D'ailleurs, ça, voilà, je le mets là-bas. Aussi. Il n'y avait pas un moment j'avais eu un bonus. Bizarre. C'est beau. Mais la popularité. Ouais. Mais le temps. Ah, le temps. Laissez-moi dormir. J'ai tout fini. On construit encore, mais le temps il compte pas, j'ai l'impression quand on construit. Tadaima. Mais là non plus. C'est trop rapide. Enfin, je peux regarder sur la plage s'il n'y a pas des choses, des plans, des trucs à récupérer pour potentiellement. Oui, voyez. Ah voilà. Une recette. Et de l'autre côté, il y a aussi. C'est vrai que t'arrives, c'est tout violet. T'as pas envie de mettre un pied. C'est bon, il se fait tard. Je peux aller dormir. Ouais, mais maintenant que j'ai dit qu'il faut que je vérifie. Voilà. Merci la plante de la moto. Hein. J'ai eu la notif, il se fait tard. Faut-on dormir. Tadaima. Ah, parfait. Oui. En fait, c'est si t'es blessé, quoi. Donc, si t'es pas blessé, tu peux continuer. Genre 3. Oh. Vous m'avez l'air de bonne humeur. Qu'est-ce qui vous arrive, beaucoup? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une statue de Tanuki que j'ai acheté avec mes économies secrètes. Je me suis dit que ça donnerait un bon coup de pouce à la satisfaction générale. Et je l'ai utilisé pour décorer l'île. J'essaie juste de faire ma part. Alors, vous en pensez quoi? Elle est superbe, non? Elle est stylée. On ne peut pas la rater. Ici, au plein milieu de la place, pas vrai? Ouais, mais peut-être pas la mettre là, par contre. Pourquoi pas, même si c'est un peu au plein milieu du chemin. Ah, bonjour à tous. Comment ça, cette réunion du matin? Nous continuons à tout faire pour obtenir notre première étoile grâce à nos projets de bricolage en les plaçant pour améliorer la satisfaction client. Et oui, et pas tomber dans la dépression. Harikitte go! Et bonjour, préparons-nous, ouais. Enfin... Machin, un jour, commencez.
Attends, c'est quoi ça? Recoller un meuble, vendre un objet. Ah, attends, d'accord. Poisson, champignon et attraper. Oui, oui, bon, bon. Oh, au bout d'un moment. Dekadek, ouais, dondogo ago. Oh les gars, on a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe, Kenzo? Les nettoyeurs, voilà ce qui se passe. Nanda? Hein? Ce serait pas l'entreprise de traitement de déchets complètement nulle qui arrête pas de nous harceler? L'entreprise de traitement de déchets complètement nulle? Pourquoi t'en as une? Tout un pirate crochet. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez encore vous battre? Je suis prêt à vous affronter quand vous voudrez. Non. Je suis pas vraiment du genre à me saisir les mains. Je passe mon tour. Je suis seulement venu pour vous déclarer la guerre. Attends, quoi? Vous m'avez bien entendu. Ici, c'est notre décharge. Et si vous la restaurez pour qu'elle redevienne ce qu'elle a été autrefois, ça vous va nous emmerder royalement. Parce que si cette île est nettoyée, où est-ce qu'on va balancer nos saletés? Attendez, cet endroit ne vous appartient pas. Doko Island est un endroit unique qui nous est très cher. Je refuse de vous laisser le traiter comme ça. Ça va, hein? Pas la peine de vous fâcher tout rouge, mais je dois dire que c'est beaucoup plus propre que la dernière fois que je suis venu. Vous avez mis même mis de la déco. Genre, il y aura des raids de... Si vous continuez comme ça, peut-être que ce tas d'ordures va retrouver sa splendeur d'antan. Mais je refuse de vous laisser faire. Parce que je suis méchant. Oh non! Tanuki. Oh ah, statue de Tanuki. Espèce d'enfoiré. Pourquoi avez-vous ça? Vous n'avez rien écouté. Il dit que c'était, il était notre décharge. Et si vous essayez de nous débarrasser de nos déchets, alors on va devoir se débarrasser de vous. Arrêtez un peu de rêver. Vous n'obtiendrez jamais votre complexe 5 étoiles. Vous ferez bien de nous vous en souvenir. Ouvrez les yeux, bande de clowns. Je vais envoyer mes hommes en force. Amusez-vous bien, ils sont pas du genre comme eux. La plus, j'espère que vous allez revenir à la raison. Oh non! Salut! Son nom! Adieu, mon Tanuki! Ça va aller, Moku? On dirait que rien n'a changé. Même quand l'île était en pleine activité, ils venaient jeter leurs poubelles et détruire les logements. Quoi qu'on fasse, on ne servira à rien tant qu'ils nous ont dans le viseur. Et maintenant, ils s'y remettent. Oh, pas de question de supporter ça plus longtemps. Notre île ici. Oh, je ne laisserai pas me piétiner jusqu'à... Juste parce que j'ai peur d'être blessé. C'est trop. Je suis bien d'accord, on ne peut pas les laisser faire comme ça. Ils continuent à nous envoyer des hommes. On n'a qu'à leur mettre une bonne raclée, c'est aussi simple que ça. Comment on va faire? Disons que c'est plus mon domaine d'expertise que le bricolage. Laissez-moi m'en occuper. Si vous les voyez quelque part sur l'île, prévenez-moi, d'accord? Oh, très bien! Je suis vraiment désolé que vous vous retrouviez mal, mêlé à toute cette pagaille, Kasuga. On essaiera tous de faire le maximum pour éviter que Kasuga ne s'épuise. Ah, merci. Ok tout le monde, Dondoko à gogo, statue de Tanuki. Ah mais y'en a un. Guerre aux pirates! Vous êtes tabassé! Bon, faisons en sorte de nous rendre utiles. Oh, Kasuga! Vous êtes au courant? Dolphine est de retour! C'est qui, Dolphine? Oh,
Le plus simple, c'est que je vous montre. Allez, suivez-moi à la plage. Dolphine le dauphin ? Mademoiselle Dolphine, est-ce que vous êtes fine ? Oh mince, c'est vraiment un... c'est un vrai dauphin, gentille dame, c'est Dolphine. Eh oui ! Ces derniers temps, elle voyageait en mer, mais maintenant qu'elle est rentrée, elle peut vous ramener à Hawaï. Attendez, vous voulez dire qu'il faut que je monte sur l'eau de dauphin? Et c'est pas plus simple de prendre un bateau? Oh, Dolphine, il est bien plus rapide qu'un simple bateau. Vous êtes un homme occupé, Kasuka. Je vous recommande fortement de privilégier les voyages à dos de Dolphine. Ouais. Vous trouverez toujours Dolphine ici, à Dandoku Beach. Alors que, quand vous voulez retourner à Hawaï, appelez-la. Ça marche. Enchanté, Dolphine. On peut retourner à Hawaï maintenant. Ah. Merveilleux. Bon, laissez-moi m'occuper de la racaille. Les pollueurs. Vous êtes sérieux, hein ? Ouais. Boum. Boum. Aïe. Ça va. Il laisse de l'argent. Ouais, c'est vraiment le nombre de coups après. Ah, en vrai, vaut mieux que ça tombe en A ou en S, donc ça va prendre du temps pour que je économise voilà, le plus. On va déblayer au moins ça et après on va retourner à Hawaï. J'ai ma batte, normalement, je l'améliore. Moins de coups pour tuer. Moi. Bon, c'est bon. Bon, la mission principale, bon... On verra... Peut-être plus tard... Sûrement aussi de mon côté. Sauf pour les trucs vraiment... Oh my... Où on passe vraiment l'étoile. Oh, attends. Ah, j'allais dire que... Si c'était vraiment que des docodolas pour faciliter le machin... Donc ça me ferait... Ouais. 100 dollars... C'est pas énorme, hein. Après, de toute façon, une fois qu'il y aura des touristes, ça va s'augmenter tout seul. Donc, À voir. Parce que l'autre, c'était gestion d'entreprise. Après, t'avais des...
des gens à mettre. Et il y avait le comité, tout ça, mais... Ah, te voilà, Ichiban. J'ai enfin bouclé la vidéo. Oh, super. Merci pour ton aide, Chi. Je trouve que ça en valait la peine. Ah, tu veux qu'on aille au Revolve? Mais comment? Allons-y. Donc ça, c'est bon. Donc si c'est le Revolve, ça devrait le faire. C'est vrai qu'on a enchaîné les quêtes secondaires en mode A pour t'expliquer des nouvelles mécaniques. Il n'y en a pas de nouveau. On peut que aller. Je passe comment? Ah, elle est là. D'accord. Le monde enfin domestique. Ok. Pas parfait.